Et depuis près d'une semaine maintenant, parents d'élèves et enseignants se mobilisent au lycée Beaupré à Haubourdin. De jour comme de nuit, ils protestent contre les suppressions de postes annoncées dans l'établissement, car à la rentrée prochaine, le lycée devrait en effet perdre 17 postes de professeurs, alors que selon les syndicats, le ratio enseignant-élève est aujourd'hui déjà très élevé, avec des classes surchargées dans l'établissement. Des parents d'élèves et des professeurs se relaient donc depuis une semaine pour occuper le lycée et y dormir la nuit, en symbole de résistance et de protestation. Pour autant, les cours sont assurés normalement durant la journée et il n'y a donc aucune gêne pour l'enseignement des élèves. Clément Carillon s'est rendu au lycée Beaupré hier pour rencontrer des enseignants et des parents d'élèves mobilisés. Et on écoute notamment ce professeur de mathématiques et responsable syndical CFDT, Jacques Devaudère, au micro de notre journaliste. Les revendications aujourd'hui, c'est qu'on nous restitue les moyens de manière à pouvoir fonctionner de manière correcte, puisque là, ce qu'on nous impose, c'est de devoir choisir entre des solutions tout aussi inacceptables les unes que les autres, comme par exemple soit d'avoir des classes à effectifs élevés, soit de ne pas assurer les horaires réglementaires, soit de devoir choisir de ne pas pouvoir effectuer un certain nombre d'options ou de spécialités, ou de se voir imposer des heures supplémentaires en nombre encore plus élevé.